Il y a de l'argent, du bétail et un trophée pris à l'ennemi vaincu. Que voulez-vous ? Aucun Danois endurci au combat ne suivrait ce tas de Saint-Doux à la bataille. Quel que soit le nombre de boucliers qu'il m'apporte. Tu veux dire que tu refuses mes présents, brodeur ? Tu me fais perdre mon temps. C'est une offre généreuse, mon frère. Tu aurais tort de la rejeter. Si tu refuses ceci, la honte retombera sur tes fils et les fils de leurs fils. Reste en dehors de ça, ami des loups. Accepte ce cadeau, nous avons des problèmes plus grands. C'est un homme de Roued ? Oui. Il reniflait près des murs extérieurs et cherchait le moyen de faire entrer quelques dizaines d'hommes. Si c'est un éclaireur, il doit y en avoir d'autres. Tu le saurais probablement si tu ne l'avais pas tué. J'étais en train de me soulager quand il s'est jeté sur moi. C'était lui ou mon épée de labour ? Où as-tu trouvé celui-là ? À l'extérieur des murs de Norwich, au bord de l'eau. Ils doivent chercher le moyen d'entrer pour faire passer un groupe de pillards. Par le Christ, trouvons un autre éclaireur et faisons-le parler. Je vais chercher. Vous, restez ici et ne vous montrez pas. Si je trouve quelqu'un de suspect, je l'amènerai ici. Les éclaireurs de Roued devraient camper près de leur bateau, hors des murs. L'un d'eux parlera. Warren!
Ja! Mehr so jetzt. Und los. Montre-moi. Là, sûrement un... Attends, attends! Qu'est-ce que tu fais? Je ne suis qu'à porter! Je te... Ne bouge pas, Lastico. J'ai des amis qui aimeraient te parler. Repose-moi, puisque je te dis que je suis un bouvier! Lâche-moi, Danois! Tu te prétendais porcher tout à l'heure. C'est... Ça n'a aucune importance. Je m'occupe de toutes sortes de bêtes. Tu es aussi danois que moi. Épargne ta salive, menteur.
C'est Roued qui t'a envoyé? Parle, et tu verras peut-être un autre soleil se lever. Sale arcre. Ce n'est pas comme ça que tu vas te faire des amis. Un tel mot est une offense mortelle. Moi, je le tuerai. Ne lui laisse pas l'occasion de recommencer. Je te repose la question. Pourquoi rôdais-tu près des murs de Norwich? Je venais présenter mes hommages, seigneur, à Oswald, l'ergui pleurnicheur saxon d'Est-Anglie. Par deux fois, tu as insulté cet homme avec des mots interdits. Il a le droit de te tuer. Lèche-moi le cul. Voilà la langue avec laquelle je lèche. Elle est assez près de tes fesses, là. Et quand le feu sera allumé à Dunwich, Roued rassemblera ses hommes. Il compte attaquer le mur le plus faible de Norwich. Ha ha ha! Vous les Danois d'ici, vous êtes devenus des larves. Roued te salue bien, noble dame. Attends-toi à le revoir bientôt. On en sait assez. Il est temps de mourir. Ce n'était pas nécessaire. Il t'a insulté devant tous ceux qui sont ici. C'était à toi de le tuer, toi-même. Je m'oppose à ce qu'on verse inutilement le sang dans mon royaume. Ceci doit cesser. En vie, cet homme était un danger. Valdis, on aurait dit que cet homme te connaissait. Roued était mon mari. Ton mari? Tu es déjà mariée? Je l'ai été. Nous sommes séparés. Je ne m'attendais pas à le voir ici, et je le souhaitais encore moins. La prospérité de l'Est-Anglie repose sur notre sécurité et notre unité. La présence du clan de Roued interdit l'une comme l'autre. Il faut que je lui parle, d'homme à homme. Il n'y a pas de place pour lui en Est-Anglie. Il faut qu'il l'entende de ma bouche. Bien, et demain je vais chercher un autre roi. Ravi de t'avoir connu, seigneur. Roued soupera de tes poumons, Oswald. N'approche pas de lui. Pour être un roi digne de ce nom, je dois rencontrer l'homme qui nous tourmente. Je vais allumer le feu de Dunwich et l'affronter quand il viendra. Tu es certain d'y tenir? Affronter Roued à découvert aura son lot de conséquences. C'est le seul moyen. Nous devons lui faire front, sans faillir. Viens, Oswald. Partons pour Dunwich. Et je compte bien vous voir aussi là-bas, vous deux. À défaut, je ferai en sorte que les sagas parlent de votre couardise pendant des générations. Vous vous préparez à partir pour Dunwich, n'est-ce pas? Nous y serons, Eivor. Parle pour toi, intendant. Vous vous rappelez quel sort nous réservera Halfdan? Des flots. On ne peut pas hisser la voile. J'ai envie d'une chanson. Thank you.
Lève-toi! Merci d'utiliser la voile ici! Tais-toi, Skald. Je veux qu'on dépose le marbre! Hissez le marbre! Hissez la voile! Dunwich. Les hommes de Rouette sont passés par là. Dunwich. Il est grand temps d'allumer le brasier. Je vais le faire. Toi, tu parleras. Brotir, Valdis et moi allons examiner le quai, pour éviter toute mauvaise surprise. Oswald et moi attendrons ici que le feu soit allumé. La grande porte est bien gardée. Tu ne passeras pas. Je vais trouver un moyen. Nous te protégerons. Dunwich, reste à éliminer les hommes de Roued et à allumer ce feu. Par pitié!
Oh, merci. C'est très gentil. Une fois le feu allumé, le reste des hommes de Rouette devraient arriver.
Odin me gâte. En échange de la vie de quelques hommes, il m'offre l'estanglie et me rend même ma femme. Oh, belle journée. Toi, je ne te connais pas. Si tu as des questions, pose-les au roi d'Estanglie. Sans oublier de mettre genoux en terre. Qui m'a appelé? C'était toi, Valdis, mon amour? Et pourquoi t'appellerais-je, après 5 années de bonheur loin de tes bourses puantes? Non, c'est moi, Roued. Toi, Oswald, qui prétend au trône d'Estanglie? Et qui a pour destin d'épouser Valdis. Pars et emmène tes hommes. En Estanglie, Saxons et Danois sont forts et unis. Ils ne craignent pas les pillards. Et je devrais faire voile vers le Danemark les mains vides, après un aussi long voyage? Tu auras mon poids en argent, et quantité de bétail et de grains. J'en ai déjà pris 10 fois plus. Qu'as-tu à dire à cela? Je te propose une chose, sombre porc, un Holmgang, rien que toi et moi, pour l'avenir de ton royaume. J'accepte. J'accepte. Un combat à mort. L'enjeu sera l'Estanglie. Ainsi ai-je parlé. Le noisetier est en place. Le carré est prêt. Dès que tu le pourras, emmène Valdis et ses frères à l'abri. Ils ne doivent pas se battre. L'Estanglie a besoin d'eux. Laisse-moi combattre à ta place. Non. C'est à moi de le faire. Quand tu veux, roi de la fange. Je suis prêt. Soumets-toi devant ton maître. Alors, on se bat comme un lâche. Le roi Roued t'ordonne de mourir. Oswald! Incline-toi. Partez, vite! Ils s'en vont. Ils abandonnent pour l'instant. On a réussi à les distancer. On peut se reposer un moment. Par Thor, il s'est bien battu. Enragé comme un putois. Il faut y retourner. Oswald a peut-être survécu, Roued aussi. C'est possible. Les hommes de Roued vont tenter d'en profiter. Il faut se préparer à leur attaque. Nous irons à Norwich. Retrouve-moi là-bas quand tu le pourras.
Il est mort en héros. Aucun doute. Si son dieu ne l'emmène pas, les guerrières d'Odin le feront.